Alors, je commence à le réaliser peu à peu. Au début, j'avais vraiment du mal. Enfin, j'étais pas encore dans le bain, mais maintenant, je réalise de plus en plus. Je comprends parfaitement que c'est une chance sur 30, c'est faisable. Un destin d'une jeune fille sera basculé, mais j'ai du mal à me réaliser que ça peut être moi. J'hésitais beaucoup parce qu'au début, je ne pensais pas que j'ai ma place dans le monde des Miss, mais c'était toujours un rêve. J'étais petite, je regardais les élections de Miss France. Pour moi, c'était des princesses, c'était des reines. Je voulais toujours le faire. Et j'en ai parlé à ma maman pour me présenter. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle m'a dit, vas-y, vas-y. Moi, j'hésitais un peu. Mais après, je me dis, bon, allez, je tente ma chance. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai tenté et puis ça a bien marché. Département magnifique parce que c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mes études, c'est là que j'ai mes proches, c'est ma maison, tout simplement. J'en ai plusieurs, même quand je me souviens, j'ai obtenu mon bac, quand j'ai eu le titre de Miss Oise, de Miss Picardie. Vu que j'ai passé toute ma vie ici, enfin, j'ai vraiment que des bons souvenirs, chaque petit détail, enfin, chaque endroit, ça compte énormément pour moi, parce qu'avec chaque endroit, j'ai un petit souvenir.